Bonjour, donc je me présente tout d'abord, Nochen Bendahmen Mouelhi, maître de conférence à IHEC Carthage. Je suis aussi formatrice et consultante. Donc je suis ici pour présenter l'événement. Donc c'est la deuxième édition de EMSO, donc le salon des études de marché et de sondage d'opinion qui est organisé par l'ATPMC, donc l'Association professionnelle des Tunisiens du marketing et de la communication, et Iceberg Agency. Donc cette année, nous avons aussi des intervenants et des partenariats d'exception comme l'ADTEM, mais encore l'Association marocaine donc des études de sondage. L'événement globalement se déroule sur 2 jours. Donc la première journée s'articule surtout autour de workshops et d'ateliers de conférences. Donc on a parlé un petit peu de tout. On a eu tant sur les approches qualitatives que sur les approches quantitatives. Et on a essayé de déballer tout ça. On a aussi eu des témoignages par rapport à des entreprises qui étaient venues présenter leur cas d'école, donc leur exemple, comme par exemple SICAM, on a eu SVR. On a aussi eu donc des expériences marocaines et l'expérience française. Voilà un petit peu ce qui s'est passé ce matin. Cet après-midi, nous avons aussi encore quelques ateliers avec donc des intervenants. Et demain, nous allons avoir 3 séries d'ateliers. Pourquoi 3 séries? Parce que nous allons avoir 2 ateliers donc le matin, ensuite 2 autres ateliers et 2 ateliers qui vont porter tant sur les techniques quantitatives ou qualitatives comme Sphinx. On va aussi avoir une formation sur NVivo, mais aussi une formation sur la ethnographie, comment faire la ethnographie. On aura un petit peu de tout. On a essayé vraiment dans l'organisation de ce programme d'avoir un équilibre sur le qualitatif et le quantitatif et d'aborder des thématiques d'actualité et intéressantes pour tout le monde. Ce que nous allons faire aussi aujourd'hui, donc nous allons décerner le prix du meilleur mémoire recherche et ou professionnel. Donc je suis dans le aussi jury de cette sélection. Le prix sera décerné par notre partenaire Sphinx et je finis par remercier notre partenaire IHE.